sur des côtés tant que la Jamaïque, qui te recevoir hier une grosse réunion d'urgence et CARICOM, non? Et puis, il semblait Porto Rico, côté que ancien ou bien Premier ministre démissionnaire Ariel Henry trouvait le journée Jodia, semblait tout, capitale la Port-au-Prince, côté eh bien, toujours grand pile turbulence, bien que d'après contact que nous gagnons, les plus ou moins calme. Donc, VOA Creole, fidèle à la tradition, eh bien, il voulait qu'il y ait au courant de toute information qui a sorti. On dit que dans le moment, n'a pas parlé là, dans le moment où tout développement ça dans l'actualité dans le pays d'Haïti, dans pile tout, faux information qui a sorti. Et c'est ça qui fait que nous voulons, de temps en temps, que ce soit dans la plateforme ça que vous suivez dans le moment ça, que ce soit tout dans l'autre plateforme que nous gagnons, eh bien, nous abordons nouvelles que nous avons fait confiance. Nouvelle ou qu'a fait confiance parce que nous prenons nouvelles là, c'est des nouvelles de première main. Donc, situation concernant le pays d'Haïti, depuis hier, tu as gagné une grosse réunion, ça a été une réunion d'urgence que CARICOM a organisée. Il était déroulé dans Kingston, Jamaïque. D'ailleurs, nous avons un collaborateur, nous, Valérie Saint-Louis, qui est sous place et qui a fait nous vivre moment par moment situation. Non, et Kingston. Donc, Kingston te recevoir et plusieurs et autres personnalités, notamment, il te recevoir Anthony Blinken, qui est secrétaire d'État américain, et il te regarde un représentant pays tant cou et la France, Canada, Mexique et l'autre encore. Et pas seulement, là, nous dit Anthony Blinken, c'est yon là d'ailleurs, parce que gagne et plusieurs l'autre monde qui était là, et notamment, gagne et Gaspard, qui était là tout, comme monsieur gain origine haïtienne, Patrick Gaspard, qui gain origine haïtienne, lui-même qui était venu là comme, il était là comme ambassadeur Afrique du Sud. Donc, c'est autant de personnalités qui étaient là et qui étaient faites de réunion ça, une réunion spéciale, une réunion d'urgence. Mais, gros nouvelle là, depuis hier soir, pour Andy dans la nuit, hier soir, pour ouvert matin, c'est annonce démission. Premier ministre haïtien Ariel Henry. Nous bien dit annonce démission Premier ministre Ariel Henry. Et dans le discours, ça, ou bien dans l'adresse à la nation, ça, que le fait depuis côté l'IA et d'après information, l'État est dans Porto Rico, dans San Juan Porto Rico, eh bien, il fait connaître que eh bien, le gouvernement l'a dirigé, il a accepté pour le mettre en place, ça le relais, un conseil présidentiel de transition après une entente avec plusieurs secteurs. Donc, il est d'accord, le gouvernement l'a dirigé. Et son mot que le Premier ministre haïtien répétait en pile, gouvernement que l'a dirigé. Et à chaque fois, il dit dans le discours, gouvernement que l'a dirigé. Eh bien, il déclarait que il est d'accord pour mettre en place un conseil présidentiel de transition après une entente avec plusieurs secteurs. Et puis, gouvernement l'a dirigé après l'école, après installation, conseil présidentiel. Ça. Et l'heure finie, l'a gagné lui-même pour liquider les affaires courantes en attendant un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre. Donc, Premier ministre Ariel Henry a gagné pour lui-même pour liquider les affaires courantes. Faut dire que d'après ça, CARICOM fait sortir, il y a entre 24 à 48 heures pour être capable de bailler mon bio. Mais l'heure était fait, l'heure était 24, mais qu'on est à 48, mais qu'on est à 24 heures. Donc, c'est depuis lundi que le président CARICOM, non? Président CARICOM, non? Et président Guyana tout, en parlant de Mohamed Irfan Ali, et il dit que il prend acte de démission Premier ministre Ariel Henry. C'est ça que le bail dans une conférence de presse après, parce que réunion était faite à huis clos, la presse pas de accès à réunion, et après réunion, t'es une conférence de presse, et c'est là que président et CARICOM, qui c'est président Guyana tout, et pour ne pas dire commandant en chef et l'armée Guyana, eh bien, en parlant de Mohamed Irfan Ali, eh bien, c'est lui qui dit qu'il prend acte de démission. Et d'après l'autre source, d'après l'autre média, t'as semblé que le Premier ministre Ariel Henry t'a parlé tout avec Anthony Blinken dans le téléphone. Développement ça a venu après une rencontre d'urgence avec représentant l'ONU, m'a parlé de réunion d'urgence qui fait dans Kingston, Jamaïque là. T'es gagné représentant l'ONU, t'es gagné représentant plusieurs pays, tant que Mexique, Canada, la France, les États-Unis. Et c'est dans l'occasion, ça, tout que Anthony Blinken lui annonçait que
la baille Haïti, donc Washington a décaissé 133 millions de dollars supplémentaires. Ils ont l'autre 133 millions de dollars et 100 millions après le joindre et force multinationale qui t'a supposé déployer dans le pays d'Haïti et ont 33 millions pour aide humanitaire. Donc, n'a pas retenu 100 millions, l'autre 100 millions de dollars. Donc, on 100 millions de dollars et additionnel parce que t'es déjà dit, et Washington t'es déjà dit que il disposait 200 millions de dollars pour force multinationale là. Et voilà que M. Blinken, secrétaire d'État américain, chef diplomatie américaine, annonçait que gagnait on l'autre 100 millions. Au total, c'est 133 millions de dollars, mais 100 millions après une force multinationale là, et puis 33 millions après, c'est pour aide humanitaire pour question manger, médicaments, de l'eau potable et l'autre. Faut dire que hier tout, t'es gagné une nouvelle qui sortit et Nairobi, dans le pays Kenya, et qui fait qu'on est que, eh ben, ministère, et intérieur avec administration lui-même il dit que eh ben tout ça que t'es pour t'es fait yo fait au point de vue légal eh ben logistique et autres donc yo même yo paré pour déployer dans pays d'Haïti donc et c'est comme ça donc c'est on mise à jour sous question force multinationale là premier ministre canadien Justin Trudeau lui-même qui était présent virtuellement monsieur Pat là et en présentiel, mais virtuellement, lui-même, il était là tout, et il était participé dans une discussion qui était faite à huis clos, et nous songeait qu'il était offert 91 millions de dollars. États-Unis, avant ça, nous t'a dit que t'es pour mettre 200 millions de dollars, donc, il avançait dans la quantité l'argent que la baille. En nous allons dans l'autre aspect technique de réunion hier là, car comme mettait d'accord avec parti politique pour une formation, un conseil présidentiel de 7 membres. Mais regroupement, ou soit parti, et cap voye non pour former conseil ça. C'est collectif 30 janvier, c'est Red avec ED, ça veut dire coalition Red ED, gen Petite Dessaline avec Réveil National, Petite Dessaline avec de Moïse Jean-Charles, et puis Réveil National de Guy Philippe, et puis gen 21 décembre, et puis gen Montana. Famille Lavalas et gen deux autres entités encore dans société civile la cap la comme observateur. Deux entités ça yon ap sorti dans société civile là, yon ap sorti nan et secteur religieux. Et Valerio Saint-Louis qui sous place nan Jamaïque, et ben déjà fait nous connaît et pita nan rendez-vous info ou capable suivre reportage ça côté que Valerio Saint-Louis font gros ramasser sous question ça. Fon dit tout que gagnent en pile contestation qui déjà commencé à faire, notamment gagnent Accor Montana qui contestait conseil présidentiel CARICOM non et que le dit que CARICOM t'a remé installé. Donc déjà Montana lui-même il déjà a questionné et formule ça que CARICOM mettait sous pied bien que non Montana parmi moun qui gagne pour voyer mambio. Est-ce que malgré la contestation, la voyez même quand même, nous t'es pris contact tout avec et coalition, on a parlé de coalition et Réveil National avec Petite Dessaline, eh bien, au fait, nous connaît que yon même tout, yon pas voyez monde parce que yon pas d'accord avec formule ça. Et tout gagné, yon l'autre entité qui très spéciale dans le pays à Ekopaka qui était à côté, c'est groupe, yon relé tête, yon groupe armé, et tout le monde connaît relé au gang. Eh bien, qui ont même, ils vivent ensemble avec Jimmy Cherizier alias Barbecue dans tête li. Il était prend la parole, il était rencontré à la presse une autre fois encore. Côté que il mettait accent pour dire que lui-même, il pas d'accord avec n'importe décision que cap sorti dans réunion Kingston nan, réunion CARICOM nan. Lui-même, il dit que eh ben, yo même c'est pas yo qui pourra faire nous la leçon, c'est pas CARICOM pour qui fait li la leçon. Donc Jimmy Cherizier, yo l'autre fois encore, lui-même, il t'a parlé des mêmes questions, il t'a même réagi tout. Son déclaration que ancien policier ou carré l'ancien sénateur élu Grandance, ancien rebelle Guy Philippe t'a dit que lui-même l'a monté sous pouvoir, ça l'a fait lui-même l'amnistie à gang yo. Gon paquet de débats qui fait sous question ça. Li même allons l'autre média, Guy Philippe allons l'autre média pour le on ti jan clarifier ça. Et Barbecue li même li réagit par rapport à question amnistie. Li dit que son
c'est distraction les pour faire connaître que ça fait abgoumer journée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a besoin d'amnistie. Donc, en gros, ces situations ça dans le pays d'Haïti, gros nouvelle là, c'est démission Premier ministre Ariel Henry. En disant l'autre gens, Premier ministre Ariel Henry qui annonçait que l'a démissionné, il déjà bailli un paquet d'étapes dans démission, hein, notamment li parler de conseil présidentiel, ça que li parler de gouvernement que l'a dirigé a mettait après installation. Eh ben yo même y a pral liquider les affaires courantes et puis jusqu'à ce que yo choisi un nouveau gouvernement avec un nouveau premier ministre. Pendant ce temps, grand pile réaction qui sortit tout partout dans classe politique là, au niveau international, et une autre fois encore Haïti trouvé dans radar presse internationale là pour développement, pour turbulence qui gagne dans le pays. Et nous connaissons ces derniers temps, pile turbulence dans le pays, avec nèg armé qui crasé, brisé, avec attaque sous aéroport international, attaque sous palais national, et dans le moment où on a parlé là, nous pas gain trafic aérien pas existé entre Haïti avec République Dominicaine depuis le que nous songeons. Et avion privé qui était gain la donne Premier ministre Ariel Henry a tal essayé atterri dans République Dominicaine et que autorité dominicaine t'a refusé atterrissage là. C'est ça qui fait que il était avion t'a fait un coup pour la long côté qui près qui c'est et Porto Rico et tout pas gagné tout et aéroport international et tout ça l'ouverture là pratiquement fermé et d'après nouvelles et qui sont au cap tout c'est même et pareillement et il y a plusieurs pays ou d'ailleurs entités ou même cap retirer employé qui essentiel yo y a quitté ou mais employé qui pas essentiel yo yo prend notamment c'est le cas des États-Unis c'est cas Union européenne et il y a l'autre pays qui a parlé de ça yo parlé de tout des Canadiens tout qui yo même bloqué l'autre bois et que gouvernement canadien a fait des démarches pour l'ouest silta et retourner dans pays. Donc c'est situation globale là dans pays d'Haïti. VOA Creole décrété la permanence, peut-être que Peter a bien Jean-Aubert Philippe qui capable de venir avec nous pour nous l'autre développement encore nous même n'a su de très près ça qu'a passé non seulement ça qu'a passé dans Jamaïque et dans Kingston côté que CARICOM lui-même tout lui décrété la permanence n'a pralé tout n'a genouap toujours sous Porto Rico côté que d'après nouvelle yo et premier ministre haïtien Ariel Henry t'a supposé yé et n'a cherché réaction tout bon côté département d'état bon côté la maison blanche bon côté Pentagone et éventuellement tout bon côté la France et l'autre pays en général qui est très intéressé par rapport à la situation dans le pays d'Haïti. Et gon bagay qui ont attiré attention en pile le monde par rapport à la question gang yo, c'est question Naïb Boukele qui dit que le tarimé vient poter coller pour venir aider dans le problème et gang yo, parce que monsieur a fait expérience dans le pays qui montre qui Jean que lui-même li a résoudre problème gang bien que gagné organisation droits humains qui pas fin d'accord avec monsieur avec formule mais monsieur très populaire jeune garçon et flâneur mais monsieur a fait un travail pour un pile monde qui extraordinaire bien que il pas fait unanimité parce que organisation droits humains dit que eh ben yo pensait que monsieur Ontijan eh ben traitement yo capable reviser traitement. Donc, c'est en gros ça qui entourait pays d'Haïti, journée jodia, par rapport à la situation politique là, par rapport à la situation humanitaire là, tout, parce que, bon, paquet de monde qui est obligé de quitter la caillou, qui ça cap passer moun sa, ou gen moun qui n'a grand goût, qui pas qu'à joindre manger, et Nations Unies, il est li préoccupé par la situation humanitaire pays d'Haïti. Donc, merci, et pour attention, nous pratiquement arrivés dans la fin intervention ça, et, pas oublier, nous dit que VOA Creole décrété la permanence pour nous porter toute sa gain pour vous, mais c'est nouvelle que ou même ou capable fait confiance parce que c'est nouvelle de première main. Moi, c'est Jacqueline Bélizer qui était content avec nous, avec support technique de Jean-Marc Hervé Abela, Kembela Palagé, pas oublier, et nous prenons le gain.